s'attirer ensuite. Je vous laisse une minute pour vous réinstaller. Vous pouvez venir devant, on ne mord pas plus que les précédents. Il reste des places. Ok. On va faire des mélanges d'anglais et de français. Je vais parler comme français parce que je crois que 95% des gens ici le comprennent. Alors, cette séance, c'est sur, globalement, food, seafood, ocean. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'océan? Et nous avons quatre interlocuteurs. Sean Nielsen, je vous en dirai deux mots tout à l'heure, qui est le patron de Surfrider US. Philippe Barque est mon vieux compère, vieux dans le sens affectif de Darwin. On va se retrouver dans 15 jours pour de très beaux événements d'ailleurs dédiés aux peuples autochtones à Bordeaux. Il vous dira ce qu'est Darwin. Alexis Vaillant, dont j'ai fait la connaissance il y a quelques minutes, qui vous dira ce qu'est Alter Food, un joli programme qui me plaît beaucoup. Et puis Pierre-Philippe, je le connais depuis quelques minutes encore plus récentes, hein, vigneron aux Côtes du Buzet. Alors les Côtes du Buzet, en fait, comme je fais souvent la route Bordeaux-Toulouse, moi, chaque fois je passe devant et puis je me dis voilà. Je me rappelle, j'étais au Chili, j'ai passé des années au Chili, et j'avais un ami qui adorait les Côtes du Buzet et je me rapportais à chaque fois, vous voyez. Pourtant dans un pays qui sait faire du vin, appris par les Français. Donc quelques mots sur cette session, Ocean Friendly Gastronomy. Qu'est-ce qu'on mange qui sort de la mer aujourd'hui? En gros, l'océan, c'est 200 millions de tonnes de ressources vivantes. Alors, c'est un terme, le mot ressources, qui gêne certains. Je me suis trouvé une fois dans une conférence à Paris avec vraiment des gens très extrêmes. Je peux comprendre, ils refusent le terme de ressources. Hein. La Terre n'est pas un lieu de ressources pour l'humanité. Bon, on parle de living resources. Bon. C'est un moyen de parler effectivement du vivant dans l'océan, ces ressources vivantes. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez vu, on a abordé les questions de bio-inspiration. On ne fait pas de bio-inspiration sans être vivant, sans biologie. L'océan, s'il vous plaît, l'océan, pas les océans. Only one ocean. Le même partout. Si on avait des océans, ben on n'aurait pas 11 millimoles de potassium à 400 mètres de fond au large de l'Équateur, au large de la Calédonie, au large de l'île de la Réunion. Le même océan, la même composition. Il y a des variations locales, hein. Le pH peut changer dans la masse d'eau, mais globalement c'est beaucoup, beaucoup plus stable que n'importe quel autre milieu continental, que ce soit un lac, une rivière ou le milieu aérien, bien sûr. Un océan, et qui joue un rôle, on le sait très bien, et je remercie toujours Françoise, on la remerciera jamais assez pour le travail qu'elle fait sur ce qu'on appelle ici la plateforme océan climat. C'est le régulateur du climat, l'océan. Tout à l'heure, mon ami Mathieu a fait quelques remarques sur des chiffres qu'on produit grâce justement à la plateforme océan climat, ce qu'est cet océan aujourd'hui. Alors l'océan est étrange parce que c'est le seul milieu vivant qu'on ne peut pas détruire. Je peux détruire une forêt, l'arracher, détruire une mare, je peux détruire une zone. N'importe quelle zone, pas l'océan. Ce qu'on détruit sur l'océan, c'est la zone côtière. On détruit le littoral de l'océan et on l'abîme considérablement par ailleurs. Alors les relations entre le vivant et l'océan et ce que l'homme peut en tirer, trois grandes approches. Les pêcheries, je suis très proche de Daniel Paoli, qui est un des plus grands halieutes spécialisés des pêcheries au monde. Il est au Canada, mais il est d'origine française. Et nous sommes ensemble dans le conseil scientifique du parc de la mer de Corail, un parc marin qui fait deux fois la surface de la France. Donc vous imaginez un peu la puissance de tels systèmes de protection. Et Pauline dit toujours effectivement que cette surpêche, elle est généralisée partout. En gros, le chiffre officiel, c'est 33%, un tiers des ressources surexploitées, avec vraiment des stocks qui sont en danger et qui vont s'effondrer. De l'aquaculture, on va cultiver dans ces milieux. Aujourd'hui, il y a plus de production d'aquaculture en valeur et en masse
que de pêche. Et enfin, tout à l'heure, on en a parlé, c'est ce qu'on tire de l'océan pour des molécules à de valeur ajoutée au sens cosmétique et au sens aussi, bien sûr, pharmacologique. Et je finirai en disant que quand on parle de nourriture, vous, je suis le reflet de ce que nous mangeons. On l'oublie. Regardez-vous tous les jours, regardez-vous dans la glace, ce que vous voyez est le reflet de ce que vous avez mangé. Aujourd'hui, on vit un drame depuis une dizaine d'années. Ça a été le low cost en matière d'alimentation. C'est la pire des bêtises qu'on ait pu inventer. Regardez nos concitoyens. In the US, for example. Eh bien, qu'est-ce qu'ils mangent? Du pas cher? Alors, on dit oui, vous comprenez, les gens pas riches ne peuvent pas s'acheter. Les chips sont 7 fois plus chers que les patates. Donc ce n'est pas uniquement une question de coût et de niveau de vie. C'est une question d'éducation, de respect. Et je rebondirai sur une des maximes que j'aime beaucoup dans la plateforme Océan Climat. Cet océan, il faut qu'on le garde en bonne santé avec nous. Donc l'exploitation qu'on pourra en faire des ressources vivantes pour l'alimentation humaine, on va en parler tout à l'heure ici avec nos invités, c'est absolument essentiel. Manger plus de poissons, lesquels, dans quelles conditions? Et je finirai sur une remarque terrible parce que vous prenez des poissons dont les stocks ne sont pas trop mal gérés, on a fait des progrès, mais quand vous achetez du thon, ben vous avez du méthylmercure dedans. Et plus vous montez dans la chaîne alimentaire, et plus vous avez des produits qui risquent effectivement de ne pas vous faire du bien. Alors que le poisson, c'est bien meilleur par rapport, bien sûr, en protéines animales à ce qu'on pourrait avoir au niveau de la viande. Donc c'est vrai que ben, la remarque, elle est claire. On est le reflet de ce qu'on mange. Il faut changer notre alimentation. C'était le défi de Nicolas Hulot quand il est venu. Ça lui a été complètement rapté par le ministère de l'Agriculture. Et quand vous voyez comment il traite les questions alimentaires, c'est vraiment à en avoir une affliction totale. Voilà, je vais commencer avec Chad, qui nous vient from California, Chad, et qui donc le représentant, le directeur de Surfrider US. A few minutes with you. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir avec parmi vous aujourd'hui et je voudrais remercier Surfrider Europe. Nous avons Surfrider Japon aussi présent avec nous aujourd'hui. Je pense que Gilles a raison. À un niveau très simple, nous prenons trop de l'océan et nous mettons trop aussi. Nous enlevons l'alimentation, la vie et nous y ajoutons des plastiques. Il y a une étude qui estime que à un moment donné, ces lignes vont se croiser et nous allons voir plus de particules plastiques que de poissons. C'est horrifiant de penser que l'océan va contenir plus de plastique que de poissons et nous ne pouvons pas manger de plastique, même si on le fait déjà avec les microplastiques. Donc, je veux vous parler d'un programme que nous appelons Ocean Friendly Restaurants, qui est le croisement de la biodiversité marine et cette problématique des plastiques qui est un autre sujet très important de cette conférence. Parce que ça a un impact tellement grand sur nos océans. Donc avant de vous expliquer notre programme, je vais vous montrer une petite vidéo. On estime que plus de 5 trilliards de morceaux de plastique se trouvent sur nos plages et qui détruisent les océans. Nos restaurants Ocean Friendly encouragent les restaurants à faire des changements simples qui ont un grand impact. Je suis Chad Jack Johnson et je soutiens le programme de Surfrider. C'est une bonne manière d'apprendre sur les restaurants qui éliminent le plastique et qui soutiennent l'alimentation durable. On utilise des assiettes réutilisables, nous utilisons la recyclabilité, pas de paille sans demander, pas de polystyrène et pas de poche en plastique pour les commandes. Notre programme encourage les restaurants à utiliser des pratiques plus environnementales. Pour trouver un restaurant près de chez vous, regardez surfrider.org.
À la Fondation Safrada, nous essayons de nous attaquer le problème plastique de quatre manières. C'est mon jumeau qui se trouve dans le ciel quelque part là. Nous nettoyons les plages depuis 35 ans, mais nous ne pouvons pas simplement résoudre le problème en nettoyant ce problème en nettoyant les plages. Toutes les, depuis que nous existons, je crois que nous avons récolté 60, l'équivalent d'environ 8 heures de plastique. C'est impossible de faire face. Donc, il faut éduquer les gens à changer leur comportement pour éliminer les plastiques à usage unique. Nous avons fait approuver beaucoup de lois, beaucoup de politiques pour les sacs, le polystyrène, la fumée sur les plages, les plastiques à usage unique. Et c'est super, mais il faut aussi travailler avec les entreprises pour être proactif, pour qu'ils puissent s'engager dans ce programme. Donc, on a commencé avec les restaurants parce que les restaurants peuvent produire une quantité incroyable de déchets. Chaque repas avec du polystyrène, avec des ustensiles en plastique, avec la paille, à chaque fois qu'on vous apporte de l'eau, c'est dans une bouteille. Donc, il fallait travailler avec les restaurants pour réduire l'utilisation de plastique et utiliser des choses plus écologiques. Le programme existe depuis environ 4 ans. Nous avons 500 restaurant et notre objectif est de donner 200 000 repas sans plastique par jour, tous les jours de l'année. Le programme s'accélère très vite et les restaurants, il y a un fort engouement des restaurants. Et donc, il faut fêter le succès des entreprises à la place de simplement arrêter les choses. L'autre bénéfice, c'est quand ils s'adhèrent au programme et deviennent sans plastique, nous allons dans la communauté et au lieu d'avoir les entreprises contre nous, ils nous soutiennent. C'est un message, une dynamique très puissante. Le programme a quatre critères obligatoires. Ceux qui sont utilisés, ce sont des objets plastiques qu'il faut éliminer. Donc, il faut ne plus utiliser le polystyrène. Il faut avoir des critères de recyclage. Seulement utiliser les assiettes et les couverts réutilisables. Pas de sacs en plastique pour les commandes. Et seulement les pailles sur commande. Et si un client le demande, il faut que ce soit recyclable, pas en plastique. Et ensuite, il y a d'autres critères secondaires qu'ils peuvent choisir. Il suffit qu'ils en choisissent deux. On vient de mettre à jour. Maintenant, on ne dit plus de bouteilles en plastique. Mais les autres choses, on veut promouvoir le fruit de mer durable avec des options végétariennes. Parce que la viande aussi, l'utilisation de la viande a un grand impact sur la planète, l'efficience, l'utilisation efficace de l'eau, donc toute une série d'activités durables pour réunir les 10 critères, on appelle ça le platinum. Et une fois que les restaurants sont certifiés, ils ont le droit d'utiliser cette étiquette sur leur fenêtre et on peut trouver des restaurants écologiques et on a des événements avec des partenaires, donc ils vont organiser des fêtes. Et très vite, les restaurants voient que leur chiffre d'affaires augmente et que ça attire beaucoup de clients en faisant ces choses-là. Donc c'est un programme très positif. Il y a d'autres incentives, d'autres bénéfices. Il donne 150 dollars par an qui est déduisible des impôts. Donc ça, c'est le programme. J'aimerais bien le voir s'introduire dans d'autres endroits du monde. Nous avons que 500, c'est tout petit pour le moment, mais c'est quelque chose qui peut se faire à plus grande échelle. Voilà, merci. Merci Chad. Merci Chad. Le détruire à part la partie littorale, mais vous avez vu qu'on le pollue en permanence. On le surexploite, hein, quand on parlait des pêcheries tout à l'heure, c'est très important. On dissémine tout partout. C'est vraiment un des milieux les plus terriblement menacés. Hein. Un tanker géant qui vous relâche
300 000 tonnes d'eau de mer de Rotterdam à Abu Dhabi, par exemple, hein, pour relâche des milliards d'organismes qui peuvent être des virus, des bactéries, également des protistes. Et puis le climat change. Donc c'est tout ça, effectivement, qu'on prend en considération si on veut être capable demain de changer un peu notre relation à cet océan. Je vais passer maintenant la parole à Philippe, qui va vous parler d'un projet qui est super original, super intéressant, qui a quelque temps maintenant. Darwin, en plus, ça peut que plaire à un évolutionniste comme moi, appeler un site Darwin, il fallait quand même le faire, hein, c'est quand même assez génial. Darwin, à l'époque, n'a pas été par les Français rapidement divulgué, parce que, étrangement, ce sont des médecins français qui ont le plus rapidement divulgué Darwin en France, mais les chercheurs français du muséum, à l'époque, du jardin des plantes, n'étaient pas très... Puis Darwin, c'est quand même le grand homme de ces modes de pensée. À toi. Alors, je vais pas revenir sur la vie et l'œuvre de Charles Darwin, hein, pour faire quand même le lien avec le thème qui nous importe ce soir. Il y a quelque chose qui m'a véritablement intéressé dans le travail de Charles Darwin, c'est que quand il a observé pendant de très longues années les espèces qu'il a étudiées tout autour de la planète quand il a fait son voyage sur le Beagle, mais ensuite pendant plusieurs décennies, il en a conclu que l'espèce humaine, comme les grands singes qu'il avait pu observer à certains moments, pas que les grands singes d'ailleurs, d'autres primates, n'était pas un grand fauve, et que nous avions très certainement un métabolisme beaucoup plus adapté à un régime beaucoup plus végétarien que déjà à son époque l'espèce humaine avait adopté en matière d'omnivorisme et le côté carnivore. Et depuis, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur cette question-là et qui ont prouvé que notre métabolisme, notre dentition, nos sucs gastriques, notre système digestif étaient bien évidemment pas super bien adaptés pour manger beaucoup de barbac, notamment. Et très certainement que de nombreuses maladies contemporaines sont également plus dévastatrices aujourd'hui du fait de notre régime alimentaire ultra carné. Donc, dans cet héritage de Charles Darwin, ça m'a assez interpellé, cette intuition qu'il a eue de dire qu'il fallait retourner vers un régime plus végétarien. Ça ne veut pas dire vegan, végétalien, il n'était pas là-dedans, mais il était il a eu vers la fin de sa vie un régime végétarien. Et bien évidemment, on le sait aujourd'hui, la pression globale que nous avons sur la planète, elle est principalement due à notre alimentation. On parle d'hommes engagés, d'hommes et femmes engagés. Ma rencontre, par exemple, avec Paul Watson il y a quelques années m'a convaincu qu'il fallait radicalement changer nos modes alimentaires. Il m'avait dit il faut arrêter de dire qu'on est 7 000, que l'humanité pèse 7 milliards d'individus. L'humanité pèse plus de 60 milliards d'individus. J'ai forcément été interloqué par ce chiffre qu'il énonçait. Il me dit oui, parce qu'il faut intégrer au nombre d'individus pour le poids de l'humanité tous les animaux d'élevage. Et dans les animaux d'élevage, il y a également les poissons d'élevage qui ont un impact considérable sur la planète. Quand on entend en effet plus de 60 milliards d'individus, quand on sait que aujourd'hui 70% des terres arables dans le monde servent à nourrir des animaux qui vont ensuite servir à nous nourrir, alors qu'on n'a pas forcément autant besoin, eh bien, il y a véritablement une hérésie dans tout ça.
Et puis, c'est vrai que quand on a commencé à travailler sur notre projet Darwin, qui était qu'un projet à l'époque, qui est une aventure un petit peu hybride dans une ancienne caserne militaire à Bordeaux, pour faire des coworking, un petit peu un espace comme celui-ci, ce que depuis on appelle des tiers-lieux, il nous est paru évident qu'il fallait un endroit, une petite cantine pour se restaurer. Et très rapidement, on a réalisé que la question de l'alimentation, elle est au-delà, dans nos sociétés contemporaines, elle est au-delà de juste se nourrir. C'est un art de vivre aujourd'hui, et surtout quand on est en France, quand on est dans le sud-ouest comme ici, la gastronomie compte énormément. C'est une culture. Et c'est un art de vivre. Et cet art de vivre, il est à la fois porteur de grands déséquilibres, mais il peut être aussi un formidable moteur de changement. Parce que on s'aperçoit bien évidemment que si on n'est que dans le catastrophisme, si on n'est que dans la lucidité un petit peu fataliste des choses, on va avoir du mal à trouver de l'envie et de l'espoir pour changer les choses. On va plutôt avoir les bras qui vont tomber. Alors que si on trouve des relais d'envie, eh bien, on peut décider de se retrousser plus facilement les manches. Et à Darwin, comme dans d'autres endroits, on pense que la gastronomie, pas seulement la gastronomie, mais notamment la gastronomie, peut participer à nous amener à modifier considérablement notre façon de vivre par le plaisir. C'est un véritable plaisir que de bien manger et d'intégrer une plus forte responsabilité dans cet acte qui est de se nourrir peut véritablement changer les choses très vite, beaucoup plus vite que certains autres gestes qui peuvent être aussi utiles parce que ça va entraîner véritablement l'émotion. Et on a besoin d'émotion pour entrer dans cette action aujourd'hui si urgente. Alors, chez nous, à Darwin, on a le magasin général, qui est notre cantine. Et d'ailleurs, Surfrider Europe a son bureau à Darwin et mange au magasin général régulièrement. C'est un restaurant où on a fait cet effort d'être déjà 100% bio, d'être sur tous nos plats du jour végétariens et d'avoir sur les produits de la mer une démarche plus responsable. On essaye aussi de privilégier sur des produits de la mer, bien évidemment, les algues d'abord. On a un tartare d'algues savoureux, mais également d'avoir une réflexion sur les espèces invasives et de prioriser, par exemple, nous on est au bord de la Garonne, et de dire sur la Garonne, qu'est-ce qu'on doit pêcher ? D'abord les silures qui pullulent et qui sont aujourd'hui interdites de pêche. Voilà. Je parle trop, désolé. Non, c'est très bien. J'ai le même défaut que toi. J'écoute mes amis devant là, qui nous réprimandent. Juste quelques chiffres sur la consommation des produits de la mer. C'est extrêmement varié selon les pays, selon les régions. Ce n'est pas lié au niveau économique. Des pays très pauvres sont des grands consommateurs de poissons. Des pays très riches sont des grands consommateurs de poissons. Ça va de 100 kilos en Islande par personne et par an. Japon, 90. En France, une trentaine de kilos. 37 en Espagne. C'est les Portugais qui consomment encore plus que les Espagnols. Donc, c'est vraiment lié, effectivement, aux répartitions. Hein. C'est particularité. Je vais passer maintenant la parole à Alexis Vaillant, qui va nous parler d'Alter Food. Alors moi, je suis très touché d'être invité ici. I'm delighted to be here this afternoon because above all, I'm an entrepreneur. And dont on fait, en tout cas, qu'on contribue à notre petite partie à travers 1% for the planet, montre que être entrepreneur et être engagé sont pas des notions antinomiques. Et ce que j'aime particulièrement sur la Surfrider Foundation, c'est que c'est un mouvement qui contribue à ce que tout le monde participe et que tout le monde participe à la sensibilisation des populations sur une manière de consommer autrement à travers les océans. Et pour moi,
J'ai entendu beaucoup de choses depuis tout à l'heure. J'ai entendu beaucoup de choses très techniques. Je ne suis pas un technicien. J'ai entendu des choses scientifiques. Et en arrivant ici, et notamment à Saint-Jean-de-Luz, je me suis fait une réflexion toute bête. C'est que sur l'océan, il y a quelque chose de très psychologique. Il y a quelque chose de psychologique. Pourquoi ? Parce qu'en touchant à l'océan, on touche aux vacances des Français. On touche aux vacances de tous. On touche au plaisir de tous. Et je trouve que l'action sur l'océan, et au même titre que l'action sur le food, et j'y reviendrai parce que c'est mon métier, touche une corde psychologique qui peut, à un moment donné, avoir un effet sur le changement des mentalités, qui est un changement qui est très long, qui doit être alimenté par tous, et qui doit surtout toucher les gens au quotidien. Et alors quand je dis toucher les gens au quotidien, on va rentrer un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'on fait chez Alterfood. Chez Alterfood, on a une volonté, c'est de créer des écosystèmes positifs à travers des produits de grande consommation. Je vous donne un exemple, on a une marque de soupe qui s'appelle Marcel Bio. Qu'est-ce qu'on fait quand comment on parle d'un écosystème positif à travers les soupes Marcel Bio ? C'est quoi l'idée ? L'idée est très simple. L'idée d'abord, c'est de commencer par rémunérer les acteurs et les agriculteurs à leur juste valeur. On n'a pas attendu les lois de l'alimentation pour se dire à un moment donné, chaque personne qui contribue à la chaîne doit être rémunérée à sa juste valeur. Et quand j'entendais tout à l'heure parler de l'appauvrissement de la valeur des produits, c'est une réalité. Et pourtant, les consommateurs sont prêts à en payer le prix quand le produit est bien produit. Et chez Alterfood, c'est ce qu'on cherche à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, on part de l'agriculteur, on va à la terre. La terre, elle doit être riche. La terre, elle doit être française. La terre, elle doit être respectée. La terre, elle doit en partie être bio, pas que. Je ne dis pas que le bio, c'est la solution à tout. On fait du bio, on fait du non-bio. Mais c'est une solution comme une autre. Ensuite, de la terre, qu'est-ce qu'on va faire avec nos légumes ? On va les transformer. Le but dans la transformation, c'est de le transformer de la manière la plus locale possible. Qu'est-ce qu'on fait chez Alterfood à travers Marcel Bio ? On va cultiver nos légumes en Provence, à Molégès, qui se situe à peu près à 950 mètres de notre outil de transformation, qui s'appelle la conserverie de Provence, et qui est situé à Saint-Andiol. On prend les légumes, on les transporte jusqu'à Saint-Andiol, on les transforme en n'y ajoutant aucun additif. Alors là, je vais décevoir tout le monde parce que on n'utilise aucun produit carné, aucun produit de la mer. C'est un principe chez Alterfood qui est très important. Et quand on continue le cycle de vie du produit, on va essayer, dans la mesure du possible, de le commercialiser dans les zones les plus proches de là où il est produit. Alors, je ne suis pas une ANAP. Encore une fois, je suis un entrepreneur. Je développe des marques qui sont engagées. Mais le but, c'est de respecter le cycle au maximum et d'avoir le moins d'impact possible. Tout à l'heure, j'entendais 80% du business mondial passe par les mers. Mais la vérité, c'est que si on consomme des produits français, et croyez-moi, et vous le savez tous ici, on est un grand pays de gastronomie, si on consomme des produits français, on n'a pas besoin d'utiliser la mer. On peut utiliser les terres. Et quasiment toutes nos terres en France sont extrêmement riches et extrêmement diverses. Ensuite, une fois que ça s'est dit, et c'est là où on en vient à l'importance de gens comme la Survivor Foundation, c'est que tout ça c'est beau, mais tout ça, on a mis des produits dans un emballage. Et c'est là où le bât blesse. Puisque l'emballage, qui ne peut indéniablement pas être supprimé des villes, pose à un moment donné problème, soit dans sa recyclabilité, soit dans sa seconde vie. Et encore une fois, j'entendais tout à l'heure les histoires de transport maritime, les histoires de pollution des mers, mais je prêche des convaincus ici, puisqu'on a fait un séminaire avec vous il y a 3 mois, et on a ramassé les déchets sur les plages avec toute l'équipe d'Alterfood. On a quand même compris que 85% des déchets maritimes, bon, excusez-moi du chiffre, je ne suis peut-être pas très précis, provenaient de la terre. Donc à un moment donné, le problème, il n'est pas dans la mer, il est dans la terre. Et pour moi, et c'est mon intime conviction, on a un gros problème en France de sensibilisation des populations. Et pourquoi je vous dis ça ? Moi, je suis haut-savoyard d'origine. Quand j'étais gamin, la seule ville dans laquelle je pouvais aller faire mes courses, la grande ville du coin, c'était Genève. Et ma mère me disait, ne jette pas de papier dans la rue, parce qu'en Suisse, quand tu jettes un papier dans la rue, c'est 100 francs suisses d'amende. Est-ce qu'en France, on a déjà entendu ça ? Et
Je vais aller plus loin. Regardez la manière dont on traite les déchets, la manière dont on va à un moment donné dire oui, il y a une poubelle jaune, une poubelle verte, une poubelle bleue. Mais dans la moitié des régions de France, la poubelle verte, la poubelle bleue et la poubelle jaune, elles se retrouvent mélangées. Donc la vérité, c'est que, et encore une fois, et je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un scientifique, je suis juste un citoyen et un entrepreneur engagé, je pense que le problème, il part de la sensibilisation des populations qui doivent agir pour sensibiliser les différentes infrastructures et les différentes administrations. Et je pense que c'est tous ensemble, et notamment à travers des actions comme la Surfrider et des actions autour des océans, que ça peut se passer. Merci beaucoup Alexis. Tout à l'heure, l'effondrement, je crois que la courbe la plus difficile qu'on ait à présenter, c'est l'effondrement actuel du sauvage. Vous regardez depuis 1800 jusqu'à aujourd'hui, tout s'en va. Et l'explosion du domestique. Hein, aujourd'hui, la biomasse vivante la plus grande, ce sont les poulets. Donc c'est vrai que tout ça nous amène bien sûr à réfléchir sur les questions qu'on évoquait tout à l'heure. On va changer un peu de maintenant, on va sortir un peu des animaux pour aller vers les plantes. On va parler de vignes avec Pierre-Philippe qui est vigneron en Côte du Buzet. Bien, merci. Alors d'ailleurs, on ne dit plus Côte de Buzet, on dit Buzet tout court. Hein. Voilà. Donc oui, effectivement, alors je me suis interrogé moi sur ce que je pouvais apporter à ce débat. Et effectivement, l'océan, c'est en voyant le petit slogan qui est sur le t-shirt derrière à l'arrière. Voilà. L'océan, mais il débute finalement à la sortie de nos champs. Et ça, c'est extrêmement sensible pour nous. Moi, je dirige une coopérative. Alors, Gilles Boeuf l'a dit, on est situé entre Bordeaux et Toulouse, c'est 2000 hectares. Et cette coopérative, c'est un collectif d'hommes extrêmement hétérogène sur le plan à la fois de leurs moyens financiers, mais aussi des fois culturels et intellectuels, qu'il a fallu amener dans une voie. Pour beaucoup d'ailleurs, même presque tous, sont polyculteurs et font de la grande culture. Donc j'aime autant vous dire que quand vous commencez à évoquer avec ces gens-là, qui ont pour tous plus de 50 ans, qui ont tous derrière eux 30 années d'expérience professionnelle, des pères et des grands-pères qui ont pratiqué l'agriculture conventionnelle, et qu'il faut les amener collectivement vers un autre type d'approche qui est ce que je qualifie moi, alors je vous rejoindrai, peut-être qu'on aura un débat sur ce sujet-là, je trouve insuffisant de proposer comme alternative l'agriculture biologique, et donc je parle d'une agriculture au service du vivant. Et donc cette agriculture au service du vivant, on a essayé de trouver des solutions. Je sais que nous, les agriculteurs, nous sommes souvent assez fortement stigmatisés comme étant les grands pollueurs, ou en tout cas des grands contributeurs à cette pollution, qui impactent les océans, entre autres, mais aussi l'air. Donc en fait, toutes les ressources sensibles. Et nous avons donc mis en place, et là c'est en praticien que je vais essayer de vous parler, nous avons mis en place un certain nombre de pratiques qui reposent essentiellement sur des pratiques de l'agroécologie, à savoir l'usage notamment des couverts végétaux, c'est-à-dire la réintroduction d'intercultures. Alors sans être trop pompeux sur le plan agronomique, on plante en fait dans les interespaces entre les vignes des légumineuses, entre autres, mais pas seulement, en fait, en fonction de la nature des sols, ce qui permet d'imaginer d'avoir un scénario à terme d'un vignoble auto-fertile. Nous avons supprimé l'usage des engrais chimiques depuis maintenant plus de 10 ans. Nous avons réduit, voire même supprimé, la totalité des produits dits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Et donc ça, il a fallu le faire étape par étape, progressivement, accessoirement, des produits comme le Folpel, dont l'un des dérivés, le phtalate, dont vous avez peut-être plus entendu parler par rapport au biberon de bébé, mais qui provoque des malformations congénitales. Enfin bref, toute une série de pratiques que nous avons introduites, sans pour autant aller jusqu'à la labellisation bio, mais bien au-delà, puisqu'en fait, notre préoccupation, c'est véritablement la vie des sols. On pourra en parler. Une des conséquences, notamment des traitements bio, c'est une accumulation très préoccupante de cuivre dans les sols. Et donc, c'est pas à vous que je vais le dire non plus, mais le cuivre est extrêmement dangereux pour les ressources halieutiques. Donc ça, c'est aussi un autre problème auquel il va falloir faire face. On est en train de travailler en fait sur ce scénario du pire, c'est-à-dire que le grand enjeu de l'agriculture demain, c'est le réchauffement climatique.
Réchauffement climatique, nous vignerons, on sait exactement de quoi il s'agit, puisque pour ma part, quand j'étais jeune étudiant, sorti de l'agro, en train de faire mes premières vendanges, on vendangeait, c'était à Saint-Émilion, mon premier stage ouvrier à Saint-Émilion, j'avais une vingtaine d'années, et on était début octobre. Désormais, après tout un parcours personnel qui m'a amené un peu partout dans le monde, mais qui m'a rapproché de mon sud-ouest natal, donc pas très loin, Buzet est à quelques encablures de Saint-Émilion. Désormais, je vais commencer les vendanges la semaine prochaine. Donc, le réchauffement climatique est un fait concret pour moi, c'est-à-dire que c'est un mois d'avance. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite se pose la question, puisque ça, c'est la question que nous avons tous en commun, sur les ressources sensibles que sont l'eau en particulier. Nous sommes dans une région, la Nouvelle-Aquitaine, qui bénéficie de deux bassins versants tout à fait importants, hein, puisque nous avons le bassin pyrénéen et la partie massif centrale désormais. Ce bassin, enfin cette zone agricole, a déjà un déficit aujourd'hui de 238 millions de mètres cubes d'eau. Ce chiffre ne va pas vous parler, donc je vais en rajouter un suivant. C'est qu'à horizon de 2030, on parle d'un déficit de 1,3 milliard de mètres cubes d'eau. Toujours pas d'écho, sauf que c'est très exactement la consommation actuelle de la Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire que nous avons un déficit putatif ou prévu qui est exactement équivalent à notre ressource. Donc va se poser la question pour une entreprise comme la mienne, qui a quand même 200 vignerons, une centaine de salariés dans un territoire extrêmement rural, dans lequel j'ai un vrai enjeu d'impact si je venais à disparaître en termes social et territorial. Se pose la question de la ressource en eau, pas simplement sur le plan qualitatif, mais aussi sur le plan quantitatif. Et comme en plus je ne suis pas une culture vivrière, très clairement, et ce sera légitime, il n'y a aucune raison pour qu'on oriente l'irrigation vers la viticulture. Donc il faut trouver d'autres solutions. Solutions qu'on expérimente, alors là c'est le deuxième volet de l'agroécologie, qui est de l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur une collaboration tout à fait originale entre les racines des arbres qui vont chercher, comme on dit en agronomie, dans les horizons plus profonds, à la fois des nutriments et de l'eau dans les différents horizons, et remonte par effet par les mycorhizes, donc c'est un assemblage de bactéries et de champignons, hein, mais le biologiste en parlera beaucoup mieux que moi, et remonte comme ça vers les horizons plus superficiels de la vigne, et donc permettra de pouvoir garder aussi une ressource en eau pour nos futurs, pour nos vignes. Donc de retravailler la collaboration entre l'arbre et la vigne, qui était une collaboration d'ailleurs ancestrale, mais qui avait disparu. Voilà. Et donc ça, c'est les deux points principaux. J'en oublie un troisième, oui, qui est le travail des sols, qui n'est pas résolu par l'agriculture biologique, parce que l'agriculture biologique, à chaque fois qu'on a une attaque de maladies cryptogamiques, notamment dans les zones comme les nôtres qui sont d'influence océanique, hein, donc ce qu'on aime, être chaud et humide pour avoir des cèpes, c'est très sympa, mais chez nous, les cèpes, en même temps, ça veut dire mildiou et idiom. Et mildiou et idiom, ça veut dire fin de la vendange. Donc, il faut traiter. Si vous traitez, vous avez soit des produits, effectivement, qui ne sont pas très recommandables, mais qu'on peut utiliser en dose dite optidose intelligente, l'usage du cuivre. L'usage du cuivre en dose massive, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même préoccupant. Donc, en plus, ça fait encore plus de passages de tracteurs sur les sols, encore plus de tassements. Et moi, on parle beaucoup des abeilles, parce que c'est sympa, les abeilles. On a peut-être tous en tête Maya, ou j'en sais rien. Enfin, bref, c'est un côté enfantin comme ça qui nous plaît bien. Bon, moi, il se trouve que je suis sur une culture qui n'est pas une culture de fleurs, donc j'ai pas besoin des pollinisateurs. Pour autant, je les protège. Et on a depuis toujours arrêté l'usage des néonicotinoïdes. Mais j'ai un autre ami, moi, qui est beaucoup moins sexy, qui sont les vers de terre. Et les vers de terre ne supportent pas qu'on leur passe sur la tête comme ça, de façon trop régulière. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on essaye d'imaginer, c'est de passer d'une agriculture conventionnelle, de faire passer un groupe d'humains, comme je vous l'ai dit, hétérogène, mais aussi polyculteur, avec dans l'idée de devenir, puisqu'on devrait pas tarder à connaître le résultat du grand projet régional TIGA auquel vous avez participé, qui s'appelle désormais Vitirev, et qui est donc financé par la Caisse des dépôts et consignations, et qui devrait donc nommer le vignoble de Buzet comme Living Lab, pour justement être expérimentateur de bonnes pratiques, avec comme idée derrière de ruisseler sur les autres cultures qui sont pratiquées par mes adhérents. Merci beaucoup, Pierre.
là, vous pouvez déjà réfléchir un petit peu à tout ce qui a été dit. Et c'est vrai que des mots-clés, des pensées clés ont été exposées. On a parlé de biomimétisme, de bio-inspiration, d'agro-écologie. Tout à l'heure, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a quand même tué dans ce pays, dans le Nord, la moitié des sols hein, par ces pesticides, herbicides et insecticides. Et il n'y a plus de vers de terre. Hein, donc, ils ne se sont pas du tout fait à cela. Et ça, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose auquel il faut remédier aujourd'hui. Alors, si j'ai un reproche à faire aux organisateurs, simplement pour cette table ronde, ils sont super, mais tous mes copains là, mais il n'y a pas de femmes. Hein, et ça, faire une table ronde sans femmes, c'est aujourd'hui impensable. Donc, pour la prochaine fois, s'il vous plaît, amenez une dame. Tell me, you had to be a woman, you? Normally. Yeah, so. Je suis ici. Je remplace Angela Howe, qui vient des États-Unis. Elle vient de rentrer. C'est elle qui devait être ici. Donc, on a essayé d'avoir une femme. Donc on va lancer le débat avec vous. C'est vrai que océan, proche de l'océan ou pas directement lié à l'océan, on a parlé de différents aspects, mais qui sont absolument essentiels. Il n'y aura aucun futur durable sans principes écologiques. Je vais citer notre vieux maître avec Françoise qui s'appelait Robert Barbeau et qui disait « Il n'y aura aucune agriculture durable sans principes écologiques. Il n'y aura aucune santé durable sans principes écologiques. » Et ça, on le paye. 300 maladies en France nouvelles depuis 1940. On parle de l'effondrement tout à l'heure des espèces, de ce sauvage qui s'en va et de ces espèces domestiques qui augmentent. Le bon sens, finalement, on se rend compte que beaucoup des questions ont trait au bon sens. Comment on réagit, comment on change. We have to change. Mais comment on fait? Je vous passe la parole. Bonjour, juste une toute petite question très pragmatique. Quand on veut transporter des soupes, même pas très loin, avec quel type d'emballage on peut imaginer dans votre entreprise? Nous, à date, principalement, on n'utilise que les emballages en verre. D'ailleurs, dans son nom, la conserverie de Provence, il y a le nom de conserverie, et on ne fait que des emballages verts. Alors, je ne dis pas que je le fais intégralement pour l'intégralité des marques d'Alter Food. On utilise le carton Tetra Pak, qui n'est pas non plus une solution, qui est potentiellement une solution, mais qui ne l'est pas aujourd'hui totalement. Mais encore une fois, on peut, et croyez-moi, c'est un des sujets, puisque nous, on a vraiment breaké le sujet de la santé. La base de notre projet, c'est la santé par l'alimentaire. Et c'est un sujet que aujourd'hui je retourne dans tous les sens, parce que vous me répondrez, et à juste titre, moi la soupe je la fais moi-même. Mais je ne m'adresse pas qu'à vous, je m'adresse à potentiellement 65 millions de Français, potentiellement 360 millions d'Européens, j'en ai aucune idée. Et j'ai beau retourner le sujet dans tous les sens, aujourd'hui je ne trouve pas la solution de l'emballage, puisque les bioplastiques, qu'on se le dise, c'est pas une solution. Le PLA, on n'a pas les systèmes pour les retraiter en France à date. Alors en Autriche, ils savent le faire, peut-être, mais chez nous, on ne sait pas le faire. Donc à un moment donné, je pense que effectivement, la consigne est un sujet, et un vrai sujet, mais pose le problème de la transportabilité, et pose le problème de l'organisation des filières à travers la consigne, et peut-être de l'homogénéisation des emballages qu'on utilise, dans la mesure où on utilise trop d'emballages différents, et ce qui peut à un moment donné poser un problème autour de la consigne. Autre question, oui. Thank you all for presenting your... Merci d'avoir présenté vos initiatives. J'aimerais savoir comment est-ce que vous menerez à grande échelle vos projets différents. Si je peux répondre en français à cette question, ça m'évitera de me ridiculiser devant la salle en anglais. Vous me pardonnerez. La question de la scalability, donc de déployer le modèle, je pense que c'est un piège. Je pense que c'est un piège parce que, et j'y ai été confronté avec l'expérimentation qu'on a faite à Darwin depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'on fait notre projet. On a un système capitaliste ultra-libéral
qui nous a amené à toujours essayer de réfléchir par justement cette notion de scalability qui serait l'alpha et l'oméga de la success story entrepreneuriale et collective. Et je pense que ça nous amène à courir derrière une chimère qui est dangereuse parce que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un monde mondialisé, globalisé, qui est le monde de l'enseigne, des enseignes et des marques internationales, et qui a éradiqué la diversité qui existe dans la nature. Et cette diversité, elle est à chaque fois, dans chaque écosystème, dans chaque biotope, elle diffère, et parce qu'elle s'adapte au contexte. Et le risque avec le modèle qui se duplique et qui se déploie, c'est d'annihiler cette diversité qui s'adapte aux contextes locaux à chaque fois. Donc je crois qu'il est primordial de savoir développer sa spécificité et de mettre toute sa force et son énergie dans encore plus d'adaptation à son contexte local. Et je crois qu'il faut moins d'échanges de matériel à l'échelle internationale. En revanche, toujours ne pas non plus, parce que on prône, tu en parlais tout à l'heure, on prône de retourner vers le local en matière d'alimentation, et nous c'est ce qu'on fait, et je pense que c'est quelque chose de très bien. Il ne faut pas à cause de ça non plus sombrer dans le repli identitaire. Il est important pour autant de conserver les échanges culturels, mais de ne pas vouloir apposer aux autres le modèle qu'on a développé chez soi qui correspond à un contexte. En tout cas, nous, c'est notre parti pris. On nous a souvent proposé de faire des Darwin ailleurs, Darwin Mulhouse, Darwin Toulouse, Darwin que sais-je. Là, en ce moment, on est en train d'aller sur le bassin d'Arcachon, qui est juste à côté de Bordeaux, parce que moi, je suis de là-bas. On fait ce chemin-là. On s'arrêtera à cette géographie-là, parce que on pense que chacun chez soi, on a notre contexte à adapter. Voilà. Je ne sais pas si on a raison. En tout cas, voilà, c'est une réponse à votre question, et notamment au système financier international qui pousse toujours les entrepreneurs à devoir scaler leur modèle pour soi-disant être efficient et efficace. Alors, moi, je voudrais juste nuancer un petit peu ce propos, parce qu'effectivement, je crois quand même utile, notamment quand il s'agit de faire évoluer les pratiques agronomiques, de pouvoir démontrer que des choses sont possibles à une échelle suffisante. Quand je dis, nous, aujourd'hui, que nous déployons ces pratiques sur 2000 hectares, ça permet à d'autres d'envisager que c'est possible. Alors que quand on leur montre le simple exemple du mec qui va faire un peu de permaculture ou qui va retourner son hectare de vigne derrière son cheval, là, franchement, j'ai tout un tas d'agriculteurs qui font demi-tour et qui refusent jusqu'au dernier moment, allant même jusqu'à dire « si c'est comme ça, eh bien j'arrêterai ». Et là se poseront d'autres problématiques, d'autres enjeux, qui sont ceux de notre indépendance alimentaire, entre autres, sur lesquels il faut quand même avoir aussi une réflexion. Donc tout ça est quand même... Enfin, c'est toujours délicat, ce genre de débat, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a des nuances à apporter. Et donc, probablement vrai sur le modèle économique. Moi, j'aurais tendance à dire que sur les pratiques agricoles, il y a des choses à faire évoluer. Je suis d'accord avec toi, par rapport à la question de la scalability, toujours pour revenir à ça, je veux être très clair, c'est pas pour ça qu'il faut pas partager le retour d'expérience. Là, je suis entièrement d'accord. Et quand je parlais qu'il ne faut pas arrêter les échanges culturels, c'est notamment sur l'échange des bonnes pratiques. C'est primordial, c'est utile, mais toujours dans l'imagination du doute et en ne partant pas du principe qu'on a trouvé la recette miracle seule de son côté. Voilà. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, parce que moi, je crois aussi dans le fait que ce type d'initiative ne doit pas rester des petites initiatives.
Et quand il parle de cultiver 2000 hectares, ça me semble extrêmement important de montrer à tous que, alors encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la permaculture, mais je suis intimement convaincu que par la permaculture, on peut donner à bouffer à tout le monde. Et de la même manière, pour reprendre l'exemple des légumes, nous, c'est une chose dont je n'ai pas parlé parce que ça fait du sens, nous on n'utilise que des légumes non calibrés. À savoir, on n'utilise que des légumes qui sont invendables dans la grande distribution. Et ce n'est pas le sujet du jour, mais quand vous pensez à la tonne d'alimentation qu'on gaspille en France, d'une manière simple en termes de gaspillage, mais aussi, voilà, 25%, je cite mon collègue, 25% de ce qu'on produit n'arrive pas aux bouches. Donc, aussi au niveau du problème, des problèmes de calibrage, je pense qu'on a encore, beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre devant nous pour, comme vous dites, scaler tout ça. Et moi, je crois dans... Encore une fois, je suis entrepreneur, donc je crois dans les choses scalable. Je crois qu'on peut le faire. Je crois que ça passe par la multiplicité des systèmes locaux, comme Darwin. Peut-être pas Darwin-Mulhouse, Darwin-Toulouse, mais je ne sais pas quel nom on pourra lui donner. Mais localement, il y a des gens qui prennent des initiatives. Et inversement, il y a des marques au niveau national qui doivent faire leur boulot. Mais ce n'est pas seulement des petites marques comme Marcel Bio et Alter Food. Tout le monde doit le faire. Et les grandes marques, les premières, tout le monde doit faire le travail à un moment donné. Et s'ils ne sont pas capables d'utiliser des ressources convenablement, on doit mettre en place, moi, ce que j'appelle vulgairement la théorie de l'équilibre, c'est qu'à un moment donné, si on vient dégrader quelque chose, on doit contrebalancer. D'où l'importance d'actions comme la Surfrider, encore une fois, et de plein d'autres. Il faut que les entreprises apprennent à contrebalancer, comme on contrebalance en partie l'empreinte carbone. On doit contrebalancer de plus en plus nos actions. Quand on a une action négative, on doit faire une action positive. C'est très chrétien, mais je pense que c'est une manière de faire. De toute façon, on ne changera pas ce monde sans l'entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez le thème d'entreprise à mission maintenant. En plus, aux États-Unis, en fait, ça vient en France, hein, le seul but d'entreprise n'est pas que de gagner de l'argent. C'est aussi d'avoir un impact social et environnemental. Ça, c'est beaucoup plus stimulant que le fait que de gagner des sous. Il reste simplement que quand nos légumes ou nos fruits ne sont pas calibrables ou sont moches, ils sont tellement meilleurs que de toute façon, on a envie de les manger. À toi, Françoise. Oui, j'avais deux questions pour vous, monsieur, concernant... La première, concernant le changement climatique, vous avez énoncé le fait que vous aviez concrètement le sentiment que ça existait vraiment par un changement de date dans la date de vendange. Est-ce que ça a des conséquences négatives néanmoins pour vous ? Alors oui, alors pour préciser exactement ce qui se passe, il y a plus de 30 ans, on vendangeait début octobre, et nous chaptalisions, c'est-à-dire que nous rajoutions en moyenne dans la région bordelaise l'équivalent de 2 degrés d'alcool, 2% d'alcool. Aujourd'hui, on vendange donc 3 semaines à 1 mois plus tôt, nous ne chaptalisons plus, mais pire que ça, nous rentrons des raisins qui font entre 14 et 15 degrés. Donc nous sommes obligés d'imaginer d'avoir ce qu'on appelle des vendanges hétérogènes, c'est-à-dire de récolter des raisins un peu moins mûrs encore plus tôt, pour pouvoir arriver à un niveau de pondération alcool qui soit acceptable par le marché. Parce qu'on n'a pas abordé ce sujet-là. On se préoccupe, c'est vrai, beaucoup aussi de nos clients, quand même, de nos consommateurs. Et donc, il nous renvoie quand même, et ce n'est pas Mme Ricard que je vais le dire, mais il y a quand même toute cette problématique de l'alcool qui joue aussi dans nos réflexions. Quoi. Et la deuxième question concernant... concernait la question des arbres avec leur mycorhize. Quel type d'arbre ? Vous dites que c'est quelque chose qui a existé par le passé. Quel type d'arbre vous mettez ? Alors, nous, on est déjà sur un vignoble qui est... Alors, je vous l'ai dit, on est en polyculture. Donc, déjà, on est un vignoble qui est extrêmement atomisé, beaucoup bordé de forêts. On a réintroduit pas mal de haies. Et on est en train d'expérimenter sur 17 hectares, précisément, là, cette fois, quelque chose qu'on avait, nous, jusque-là, jamais fait. C'est-à-dire, on installe ce qu'on appelle des trognes. C'est-à-dire, en fait, on va installer des arbres dans la ligne de vigne pour travailler la partie, donc, la rhizosphère, et donc pour pouvoir passer mécaniquement
avec les... Et donc, je ne sais plus, on a de l'orme champêtre, on a des choses comme ça, quoi. Donc, y a différentes variétés qui ont des bons systèmes racinaires, qui ont un tropisme très, très profond, et qui vont donc chercher dans la roche-mère les nutriments, et en remontant, captent aussi au travers de la radicelle, dans les différents horizons, le peu d'eau qui peut y rester. Et donc, accompagné par les mycorhizes, remonte jusqu'au système racinaire de la vigne, qui lui a un tropisme plus superficiel. C'est très séduisant. Hein, la Société française d'agroforesterie travaille beaucoup sur ces questions-là. Ça marche vraiment bien. C'est super, super intéressant. My question would be for Chad. Question, c'est pour Chad. Sur votre initiative des restaurants, ma question concerne aussi la globalisation de cette initiative. Et ça pourrait aussi impliquer nos amis du Japon. Personnellement, je suis végétarienne depuis 3 ans. Ce n'était pas difficile, c'est pas un choix difficile parce que je ne mangeais pas beaucoup de viande auparavant de toute façon, mais je respecte ceux qui en mangent et je sais que, surtout au Pays Basque, il est difficile d'arrêter de manger de la viande pour beaucoup de personnes. Donc, si vous voulez globaliser cette initiative, ça serait une grande opportunité pour tout le monde en Europe, en Japon ou autour du monde. Comment est-ce qu'il faudrait s'attendre? Est-ce qu'il y aurait des au Japon ou d'autres pays où ils mangent beaucoup de poissons? Comment est-ce qu'on peut s'attendre à des personnes qui ont l'habitude de manger des grandes quantités de poissons, par exemple? Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils deviennent végétariens ou au moins changer leurs habitudes alimentaires? C'est encore plus important parce qu'aujourd'hui, la gastronomie, c'est aussi quelque chose qui est culturel. Comment est-ce qu'on pourrait rendre cette fête de Sessimes quelque chose d'homogène? Parce que ça se peut que ce soit quelque chose déséquilibré entre les différents pays. Qu'est-ce que vous en pensez? When we designed the program, the goal was to find the balance between being restrictive enough that we feel like it's meaningful change that's going to actually impact the issues that we care about, particularly the plastics, but also not so prohibitive that the bar is so high that nobody can join. So for example, in the beginning, we said straws upon request. So they could still serve plastic straws, but you had to ask. And we did that because we were afraid the restaurants, if we said no paper, plastic straws, they just wouldn't join. But it's currently evolved now to saying straws on request, but alternatives. So part of it's that evolution, but it's finding that sweet spot. I think, and it's also like LEED certification is a certification for energy efficiency in buildings in the United States. I don't know if it's global, but there's a whole set of criteria and you just have to match some of them, not all of them. So I think we could build a program very easily that has enough flexibility to allow the cultural differences, which I think are really important. So something that makes sense in the US may not make sense in Japan, but we could create a system where they have to check off certain boxes. So I think that's very, very doable. And also for the program, it only requires that they provide vegan and vegetarian options, not that they are vegan or vegetarian. So the goal there is just to make sure that that alternative is provided so that if people like you go to these restaurants, there's something there for you. Because we want to also send the message that, you know, that the meat, as you heard, does have a huge climate impact. And so it's a way of just shifting that conversation a little bit. I don't know if you can ask our Japanese friends to answer. I don't know if they are there. Maybe they can like tell us how they would implement this kind of opportunities in their own country. So I'm from Surfrider in Japan. My name is Chie. We do have the whole team here, but I'm just representing the team. As we had spoken with Chad, we are trying to implement this ocean-friendly restaurant as well. I think part of the goal, again, is the sustainability of the food is what we need to be thinking about, and also the plastic and the damage it can do to the environment. So it's also, I think, going further down, it's a plastic, it's, you know, providing all that, you know, these infrastructure, if you will, in terms of the providing of the restaurant is important. But going further, I see that we're talking about sustainability food, the fishery. We do have a lot of fishery industry. So it's not to take away,
And I don't think the goal is to take away the culture, but it is to have people aware and, you know, spread the awareness to understand that what it is that is doing to the environment. So I think it's totally doable. And as we were speaking, and we do have been speaking to a Hawaii chapter as well, the U.S., to see how we can localize this. But at the same time, it is meaningful enough that we're not just making the rules, but it is to towards the final goal of doing the sustainability, you know, to the environment. So does that answer the question? Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est vrai que quand je suis venu ici, je pensais qu'on allait vraiment parler de restauration et je pense que c'est un élément essentiel et cette initiative qui est faite par les États-Unis, comme quoi finalement le pays de Trump, c'est pas toujours le pire des pays au monde, ça reste une initiative qu'il faudrait fondamentalement penser en France. Et pourquoi je dis ça, c'est que j'ai quand même l'impression que la restauration, c'est un peu le parent pauvre de toutes ces initiatives. Quand on crée des marques et qu'on développe des marques, aujourd'hui, les consommateurs, ils vont dans les rayons et puis ils ont leur petit téléphone portable et ils nous yucatisent. Donc ils regardent toute l'origine de tout ce qu'ils bouffent de A à Z. Mais quand ils vont au restaurant, à part pour certains qui vont à Darwin ou qui vont à Saint-Jean-de-Luz qui affichent l'intégralité de l'origine des poissons, en fait, personne ne se pose la question. Personne ne se pose la question de d'où ça vient, de comment ça a été fait, de comment travaille ce restaurant. Alors effectivement, ils ont la répression des fraudes au cul pour tout ce qui est qualité d'hygiène, superbe. Mais qu'est-ce qu'ils font des déchets? Comment ils produisent les choses? Et je pense que c'est quelque chose qui est très important et c'est bien de le faire de manière non extrémiste. Et c'est surtout ça qui est très important. C'est pas de, à un moment donné, de cataloguer les gens, mais c'est de les aider à changer et d'aider les restaurateurs à évoluer vers des pratiques qui sont beaucoup plus vertueuses, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce sont aussi des entrepreneurs, qu'ils ont souvent la tête dans le guidon et que ce sont des métiers qui ne sont pas faciles. On pense plus à comment on va finir la fin du mois, plus qu'à comment on va changer la planète. Mais pourtant, sur des micro-actions telles que celle-ci, je pense que c'est urgent de le faire en France. Pardon Gilles, est-ce que Gilles et Philippe, désolé, c'était juste pour rassurer très rapidement Alexis que Surfrider Europe s'est déjà saisi de cette campagne. On échange beaucoup avec Surfrider US, on échange de bonnes pratiques et sur cette campagne particulièrement, on est en train de la développer, de la décliner, de l'adapter sur d'autres contextes européens et de la mettre en place avec l'appui de certaines antennes. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous souhaitez avoir plus d'informations aussi ici. Super. Philippe? Oui, moi je voulais rebondir sur ça. C'est vrai que la restauration est très en retard sur pas mal de ces questions de responsabilité globale, que ce soit au niveau de l'origine, la transformation, la qualité des produits, mais aussi les déchets. C'est vraiment des questions qui sont compliquées, et notamment sur la question de la formation. Nous qui nous intéressons depuis, on a maintenant 6 restaurants et on s'intéresse à ça donc depuis bientôt 10 ans et on a énormément de mal à trouver un personnel soit qui est déjà formé, soit qui va être d'accord pour enclencher ce changement, parce que c'est vrai que ça demande un petit peu plus d'effort qu'une restauration toute prête avec des poches, avec des sacs où tout est déjà transformé, préparé de manière industrielle. Et c'est vrai que toute la chaîne aujourd'hui logistique de la restauration a été transformée depuis 30 ans. Le fait maison notamment, avec le petit logo que vous voyez, en fait pour pouvoir mettre le logo il suffit juste de faire une manipulation ou quelques manipulations, donc c'est vrai que le consommateur pense que l'intégralité de sa recette est fait maison et en fait non, c'est juste 10% ou 15%, donc c'est vrai que c'est un très gros travail culturel à faire pour amener une nouvelle génération à avoir envie de se tourner vers une restauration, une gastronomie plus responsable. Mais je pense qu'aussi c'est du coup, il faut avoir du courage au niveau nous de restaurateurs, on doit prendre des décisions même s'il ne faut pas être dogmatique et ayatollah. Je vais vous donner un ordre d'exemple.
même si tous nos plats du jour sont végétariens depuis maintenant 3 ans au magasin général, on s'aperçoit que 70 à 80% des commandes, c'est le burger beef, bœuf. Et donc moi j'ai décidé qu'on va bannir, et pourtant j'avais décidé de le laisser à la carte pour pas paraître dogmatique à Ayatollah, mais quand je m'aperçois que par juste effet de mimétisme et de facilité de commande auprès de nos serveurs, 80% par moment de la commande c'est le burger bœuf, bien on va l'enlever, on va enlever le tartare de bœuf et on n'aura plus de bœuf à la carte. On me dit mais tu vas te couper les deux jambes, tu vas te bananer. Ben on va le faire comme quand on a dit on n'aura pas de Coca-Cola, on n'aura que du bio chez nous, et on y arrive. Et je pense que ça passe aussi par des actes forts comme ça. Mais pour y arriver, ben il faut donner quelque chose en échange. On va mettre tout un service de pizza végétarienne hyper, hyper goûteuse, bonne, en place. Et il ne faut pas oublier qu'il faut toujours avoir une solution enthousiasmante. Il faut à chaque fois ne pas oublier qu'une décision courageuse doit s'accompagner de fun, de plaisir. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Moi, tu disais comment on fait pour au Pays Basque, ils adorent a gastronomy which is perhaps meat-based or fish-based. I have pieces of beef, and I used to love that. But I've changed my diet to be more responsible, even though I perhaps don't do as much as I could. With the pleasure of doing something else, and this is something that we need to remember, provide a solution and not just look at the problem. I'd like to say that we're just about to have the G7 meeting. The small measures which have been talked about, there's a law that was talked about a lot, and the Alim law, which means that there has to be a vegetarian menu on the menu every week in local schools and organizations. But this doesn't work. We haven't got a strong political decision to make things move. I have other activities in farming. We did some calculations. If we modify people's diets to have less animal-based products, that would reduce the ecological footprint by 28%. So just simply changing people's diets would leave us, in terms of CO2, it leads to a reduction of 28%. And this is something that we need to insist on. In the Mr. Macron's proposals, this was mentioned, but it doesn't go as far as it could in terms of legislation. We're going to have to conclude now. So it's very often difficult to take measures. They're very often unpopular, and for politicians, they can be unpopular, and they're thinking about being re-elected. If all business thinks about is making a profit to the detriment of nature, change is necessary. We have to change. Du coup, on a 10 minutes. Moi, il y en a deux.